Ce soir, le thème de la conférence, c'est le stress, notre meilleur ennemi, avec un point d'interrogation. Et il faut dire qu'avec un ennemi comme ça, on a vraiment besoin d'amis. Et cette soirée-là est doublement pertinente à cause, d'une part, parce que ce concept, on vient de le dire, a été défini à l'Université de Montréal par Hans Selye. Hans Selye, un petit rappel, c'était un Hongrois et Autrichien né à Vienne en 1907, arrivé à Montréal en 1931, à McGill, et très vite à l'Université de Montréal, où il a fondé l'Institut de médecine et de chirurgie expérimentale, donc en 1945, et qui a publié, Hans Selye, un ouvrage très très connu en 1956 qui s'appelait « The Stress of Life », traduit en français, donc « Le stress de la vie ». Et puis l'autre raison pour laquelle c'est important cette conférence, c'est parce que le stress, effectivement, fait partie de nos vies à tous. Nous l'expérimentons tous à des degrés divers, bien sûr, mais un chiffre de Statistique Canada rapporte que 26% des Québécois sont touchés ou se disent touchés régulièrement, quotidiennement, par le stress. C'est important. Donc on peut le vivre au travail, dans sa vie personnelle, dans les médias qu'on dit sociaux et qui sont peut-être parfois un peu asociaux. Le stress prend vraiment différentes formes et c'est important donc de comprendre bien ce syndrome. Un petit rappel aussi, Hans Selye, qui parlait donc du syndrome général d'adaptation. Hans Selye disait qu'il y avait deux formes de stress, le bon stress, le eustress, et le mauvais stress, le distress, qui fait penser à détresse. Donc on va voir peut-être avec nos conférenciers s'il y a effectivement du bon stress ou du mauvais stress et comment faire la part entre les deux. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce concept s'est avéré être l'un des plus riches concepts de l'histoire de la médecine. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Je ne suis pas sûr que je vais être contredit. J'espère que je ne serai pas contredit. Un concept extrêmement fécond de médecine et de physiologie, mais qui a débordé très vite le champ de la médecine et de la biologie, qui est allé donc dans d'autres domaines, dans d'autres frontières. Et vous allez le voir ce soir, parce que, effectivement, et ce n'est pas la moindre des richesses de ce concept de stress, il a ouvert des discussions, des recherches dans d'autres disciplines. Et on le voit pour cette conférence à la montagne, où on a Sonia Lupien, du département de psychiatrie, Lourdes Rodrigo del Barrio, de l'école de travail social, on vous l'a dit, et Thierry Bardini, du département des communications. Ça fait vraiment des personnes qui sont dans des domaines extrêmement différents. Alors, je passe tout de suite la parole à Sonia Lupien, on vous a dit, fondatrice, directrice du Centre d'études sur le stress humain, donc qui a pour mission d'éduquer le public quant aux effets du stress sur le cerveau et sur le corps, en utilisant donc des données validées scientifiquement. Elle est professeure au département de psychiatrie à l'Université de Montréal, on vous l'a dit, et elle a mené ses études aussi bien chez les enfants, les jeunes adultes que les personnes âgées. Et donc, elle a tout un parcours qui fait que je l'appelle souvent Madame Stress. Elle a publié un livre, Par amour du stress, un ouvrage de vulgarisation scientifique que je vous recommande vivement. Et donc, Sonia Lupien, c'est à vous de nous montrer votre amour du stress. Sonia Lupien. Merci. Messieurs, dames, bonsoir. Ce que je vais faire avec vous, c'est de regarder un peu cette notion de stress. J'aime beaucoup le titre, hein, « Le stress, notre meilleur ennemi ». Et on va commencer avec une série de questions. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on ouvre un peu les lumières, parce que j'aime bien vous voir. Alors, je vais vous poser des questions. Et si vous êtes d'accord avec l'énoncé que vous voyez, vous levez la main. Je veux juste voir. Alors, premier énoncé, le stress est négatif. Ceux qui sont d'accord avec cet énoncé, levez la main. Ne soyez pas timides. D'accord? Parfait, on s'affirme, c'est parfait. Deuxième énoncé, le stress augmente la mémoire. Levez la main, ceux qui sont d'accord. D'accord? Il y en a qui sont d'accord avec tout. Troisième, le stress diminue l'énergie. On lève la main, ceux qui sont d'accord. Ah, regardons, il y en a plus. Le stress améliore l'humeur. Il y en a moins. Il y a quelques optimistes. Bien allé. D'accord. Alors, vous allez voir qu'à peu près toutes ces affirmations-là sont vraies et fausses à la fois, et je vais vous expliquer ça. Vous pouvez redescendre la lumière si vous le désirez. Et donc, moi, dans mon laboratoire sur le stress humain, comment on mesure ça, le stress? C'est très, très rare que je vais vous demander au moyen de questionnaire si vous êtes stressé, parce qu'on ne dit pas la même chose, personne, de ce qu'est le stress. Alors, nous, on utilise la
réponse biologique de stress qui a été décrite par Anne Cellier, Roger Guillemin et tout ça. Alors, je vous explique en deux minutes ce que ces gens-là ont fait et comment nous, on mesure ça en laboratoire. Et tout ce que je vais vous dire aujourd'hui sur le stress, c'est en mesurant ces hormones de stress-là, cette réponse biologique de stress-là, qu'on arrive à avoir toutes ces informations-là. Alors, on va utiliser cette réponse biologique de stress-là. Voici la première chose que vous devez comprendre quand on parle de stress. Et la voici. Votre cerveau, et je vais vous démontrer que c'est de là que ça part et c'est là que ça se termine, votre cerveau est un détecteur de menaces. C'est ça son travail à votre cerveau. Votre cerveau n'a pas été créé pour remplir le formulaire 414 sur le coin d'une table. Il va le faire, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de menace dans l'environnement. Si pendant que votre cerveau est en train de remplir son formulaire 414, il y a une menace dans l'environnement, jamais votre cerveau va vous permettre de terminer de remplir votre formulaire. Toute votre attention va s'en aller sur la menace pour vous permettre de faire les deux seules choses que vous voulez faire si vous voulez survivre, combattre ou fuir. Ça, vous avez appris ça au cégep. Moi, je vais continuer l'histoire. Et c'est ce que Anne Cellier et Roger Guillemin ont fait. Alors, voici comment ça fonctionne, cette superbe réponse de stress. Et je pense que je suis la seule personne au monde qui aime le stress. Et je trouve cela très dommage, mes chers amis. Pourquoi? Parce que j'ai compris quelque chose de très simple. Quand on sait exactement comment fonctionne la bête, c'est somme toute assez facile de la contrôler. Mais je pense qu'on souffre autant de stress aujourd'hui parce qu'on ne sait pas contre quoi on se bat. Et donc, on lance des coups d'épée un peu comme ça dans l'air sans trop savoir où est l'ennemi. Et par contre, quand on connaît bien, on arrive à bien gérer tout ça. Alors, voici comment ça fonctionne. À chaque fois que le cerveau détecte une menace qu'on appelle un stress, donc stress égale menace, il va y avoir activation de l'hypothalamus, c'est ça que Roger Guillemin a démontré, qui va mener à la production d'hormones, le nom n'est pas important, qui vont aller activer deux petites glandes localisées au-dessus de vos reins, qu'on appelle les glandes surrénales, parce qu'elles sont sur les reins. Quand les glandes surrénales reçoivent ce message-là, boum, elles vont produire les hormones de stress qui vont vous permettre de faire les deux seules choses que vous voulez faire si vous voulez survivre, combattre ou fuir. Voici la suite de l'histoire. Dans les deux cas, que vous décidiez de combattre ou de fuir, vous avez besoin d'une seule chose, d'énergie. Et ce sont ces hormones de stress-là qui vous ont donné l'énergie dont vous avez eu besoin dans le temps de la préhistoire pour soit tuer le mammouth, voici mon mammouth, le manger et survivre, ou partir à courir s'il était trop gros, et nous voici ayant survécu au mammouth. Et donc, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vos ancêtres ont premièrement compris qu'un mammouth, c'était une menace. Ils n'ont pas essayé de s'en faire un copain, là. Et ensuite, ils ont eu tellement peur devant cette bête qu'ils ont produit assez d'énergie pour la tuer, la manger et survivre ou partir à courir si elle était trop grosse. Donc, le stress égale survie de l'espèce. Ne laissez plus jamais personne vous dire que le stress est négatif. Faux! À chaque fois que la réponse de stress est aiguë, à chaque fois, elle est nécessaire à la survie, même aujourd'hui. Donc, on a étudié ça, Roger Guillemin, Anne Cellier, tout ça, et dans les années 1980, il y a une deuxième découverte qui a été faite par un chercheur qui s'appelle Mason aux États-Unis, qui a été, en fait, d'autres chercheurs bien avant lui, qui ont démontré une deuxième chose très intéressante. Ils ont montré que les mêmes hormones de stress que vous produisez pour avoir assez d'énergie pour tuer votre mammouth ou partir à courir s'il est trop gros, à l'intérieur d'une période de 8 à 10 minutes, c'est rapide ça, ces hormones de stress-là vont remonter au cerveau. Et lorsqu'elles remontent au cerveau, elles ont une préférence marquée pour les régions du cerveau qui sont impliquées dans l'apprentissage et la mémoire et dans la régulation des émotions. Et là, on se demandait pourquoi ces hormones de stress-là remonteraient au cerveau, ça ne faisait aucun sens. Et pourtant, si c'est là, c'est que ça sert à quelque chose. Et donc, on s'est, pendant de très longues années, demandé pourquoi ces hormones de stress-là remonteraient au cerveau et affecteraient notre mémoire. Et on a pensé à ça et on a finalement compris pourquoi c'est là, la journée où on a pensé à Bambi. Vous connaissez Bambi Walt Disney? Moi, j'utilise l'exemple Bambi, c'est l'exemple qu'on utilise en science, pour expliquer pourquoi, quand ces hormones-là remontent au cerveau, ça peut même être très bon. Voici l'exemple. Admettons que vous êtes Bambi et vous décidez d'aller vous promener en forêt et vous arrivez face à face avec un ours. Il y a deux choses que vous voulez faire si vous voulez survivre. La première, mobiliser assez d'énergie, partir à courir pour qu'il vous rattrape. Et la deuxième, vous souvenir de ne plus jamais aller là parce qu'il y a un ours. Et ce sont ces hormones de stress-là qui, remontant à votre cerveau, vont vous dire « Oublie jamais ça si tu veux survivre. » Donc, à chaque fois que la réponse de stress est aiguë, elle est nécessaire à la survie. Ce n'est que lorsqu'elle devient chronique qu'elle peut mener, bien sûr, à des effets sur la mémoire, les émotions et tous les troubles mentaux aujourd'hui qu'on pense pouvoir être associés aux effets du stress, aux effets chroniques du stress sur le cerveau. On connaît ce chemin-là maintenant. Et donc, moi, dans mon domaine, ce qu'on essaie de voir, c'est qu'est-ce qui va faire qu'on va produire cette réponse de stress-là. Parce que la porte d'entrée, elle est là. C'est quand vous interprétez des stresseurs que vous allez produire cette réponse de stress-là et qu'à la longue, elle va avoir des effets négatifs.
Dans le temps du mammouth, on avait affaire à ce qu'on appelle des stress absolus. Un stress absolu, c'est une menace réelle pour tout le monde. Hein? Quelqu'un rentre ici et crie « au feu », bien, on va tout de suite se mettre à courir pour sauver notre vie. Il n'y a plus beaucoup de stress absolu aujourd'hui, hein? Vous le savez, il n'y a plus beaucoup de mammouths. On est dans un pays riche, éduqué, en santé. Et comment ça se fait donc? Est-ce qu'on stresse autant aujourd'hui? Et ça, c'est une découverte qui a été faite par un chercheur qui s'appelle John Mason aux États-Unis. Et c'est là, je pense que c'est l'information la plus importante de retenir de ce que mon domaine d'étude à moi. Les chercheurs ont montré qu'il y a 4 caractéristiques d'une situation qui vont faire que peu importe qui vous êtes, où vous êtes, l'âge que vous avez, le travail que vous avez, vous allez stresser, c'est-à-dire vous allez produire cette réponse de stress-là. Je vous mets au défi de trouver une situation dans votre vie qui vous stresse et que vous ne pouvez pas expliquer par au moins l'une des 4 caractéristiques, vous n'allez pas y arriver. Ce que vous devez savoir, c'est qu'une situation ne doit pas nécessairement comporter les 4 caractéristiques pour que vous ayez cette réponse de stress-là. Plus il y en a, pire c'est. Et s'il y a une seule chose dont vous voulez vous souvenir aujourd'hui, c'est de ça. Alors, voici la recette du stress. Pour qu'une situation génère une réponse de stress, vous devez avoir l'impression, j'ai dit impression, que vous n'avez pas le contrôle sur la situation. La situation doit être imprévue ou imprévisible. Elle doit être nouvelle. Et votre ego doit se sentir menacé. Hein? Quelqu'un qui remet en question votre capacité de bien faire votre travail à la machine à café le mardi matin devant les collègues, le petit feeling que vous avez en retournant à votre bureau, c'est ça, une réponse de stress. Je peux vous jurer, parce que moi, je fais ça tous les jours. Moi, j'ai le meilleur travail au monde. Vous savez, je suis payée pour stresser des gens à tous les jours. Et donc, c'est comme ça qu'on va stresser les gens. Et je peux vous jurer qu'à chaque fois que votre cerveau fait face à une ou plusieurs de ces 4 caractéristiques-là, vous allez produire la réponse de stress. Pour vous aider à vous en souvenir, rappelez-vous, le stress, c'est du ciné. Contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, égo menacé. Alors, pendant des années, j'ai travaillé sur ces hormones de stress-là. J'ai étudié qu'est-ce que ça faisait sur la mémoire. J'ai étudié qu'est-ce que ça faisait sur la régulation des émotions. Donc, j'ai étudié les effets des hormones sur le cerveau. Et un matin que je promenais mon chien, je me suis dit la chose suivante. OK, mais qu'est-ce qui fait qu'on produit ces hormones-là au départ? OK, c'est le ciné, mais c'est quoi le ciné? Si on était capable de comprendre l'origine de la production, on réussirait à enlever beaucoup de stress à beaucoup de gens. Et donc, la deuxième partie de ma carrière scientifique, c'est ça que j'ai fait. J'ai essayé de trouver l'origine de cette production d'hormones de stress-là. Et la question à laquelle je me suis intéressée, parce que tout le monde m'a posé, est-ce que le stress est toujours négatif? Pendant 15 ans, j'ai étudié les effets du stress sur le cerveau et la mémoire et j'ai démontré que non. En fait, la relation entre le stress et la performance ou n'importe quelle performance, elle est en U inversée. Donc, un peu d'hormones de stress, c'est nécessaire pour bien mémoriser. Ça augmente votre vigilance, ça augmente votre attention. Hein, vous êtes un petit peu plus à l'affût, puis vous allez arriver, puis vous allez tout encoder ce que vous voyez. Et là, pour chaque personne, il y a un point de résistance qui est différent chez toutes les personnes. Et quand on dépasse ce point de résistance-là, c'est là qu'on va voir les effets négatifs du stress, à la fuite des idées et les troubles de mémoire. Donc, dépendamment où est-ce que vous vous situez, si vous vous situez ici, bien, ça va très bien. Vous avez pas, vous êtes stressé, vous avez des hormones de stress, mais vous êtes tout réveillé. Mais là, s'il arrive quelque chose dans votre vie, vous faites face à du ciné, quelqu'un a menacé votre ego, vous êtes au volant de votre voiture, vous en venez ici, et là, soudainement, vous avez une réponse de stress, eh bien, vous allez vous rendre jusqu'ici. Et la même hormone qui, 15 minutes avant, vous rendait vigilant et réveillé, maintenant, va vous ramener votre petit hamster qui va vous mettre à faire ruminer tout ce qui peut se passer dans votre vie et ça va commencer à aller mal. Et donc, très rapidement, je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'on se promène d'ici à là? J'en ai trouvé plein, dont je n'ai pas le temps de vous parler de ça. Vous me poserez des questions tantôt, comme genre les médias, toutes sortes de choses comme ça. Mais aujourd'hui, les nouvelles de journaux, tout ça. Mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, parce que j'ai juste 15 minutes et qui a commencé à m'intéresser, c'est ce qu'on appelle les préconceptions de stress. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de contrôle là-dessus. Une préconception n'est pas un préjugé. Vous pouvez avoir une préconception de quelque chose qui n'est pas négatif. Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis, selon vous, le 800 mètres est aux prochains Jeux olympiques, entre quelqu'un qui vient du Kazakhstan et quelqu'un qui vient de l'Afrique, qui va gagner? Il y a des bonnes chances que vous me disiez, bien, la personne qui vient d'Afrique. Pourquoi? Bien, parce que les Africains courent vite. Donc, ce n'est pas un préjugé, c'est une préconception qui va faire en sorte que vous allez interpréter. Les chercheurs ont commencé à s'intéresser aux préconceptions de stress. Imaginez-vous donc qu'il y a des gens
qui ont des préconceptions négatives du stress. La majorité des gens ont ça. Donc, on va toujours penser que le stress est négatif. Nous, chercheurs, avons contribué à ça. Les médias contribuent à ça. Regardez votre Facebook, vous allez voir, c'est toujours négatif. Et donc, on a des préconceptions négatives du stress. Il y a des gens qui ont des préconceptions positives du stress et qui ont compris et qui passent leur vie à dire « Non, c'est pas mauvais du stress, ça va bien ». Et si vous regardez sur Internet, j'ai juste fait, sur un site où on peut acheter des images, j'ai juste écrit « stress ». Je n'ai rien trouvé de positif, rien. C'est toujours des préconceptions négatives et c'est ce qui va faire en sorte que notre cerveau va encoder ça, ces préconceptions négatives-là. Maintenant, la question est, quand on a des préconceptions négatives de stress, produisons-nous plus d'hormones de stress? Mais juste avant de regarder les résultats de cette étude-là, j'ai fait un sondage auprès de 300 personnes. J'ai envoyé mes étudiants comme ça pour demander aux gens les questions que je vous ai posées. Et ce qu'on observe, c'est que les hommes ont des préconceptions beaucoup plus positives du stress que les femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, quand on leur dit « le stress est positif », les hommes vont dire « oui, plus souvent que les femmes ». Et si on leur dit « le stress augmente la mémoire », les hommes vont dire plus souvent « oui » que les femmes. Or, on sait que les femmes rapportent beaucoup, beaucoup plus de stress subjectif que les femmes. Quand on demande aux gens comme ça « êtes-vous stressé ?», les femmes, écoute, ils peuvent en parler pendant 4h15, là, ça finit plus. Et donc, les hommes vont moins nous en parler. Par contre, quand on regarde les effets physiques du stress, les hommes souffrent plus que les femmes. Et donc, on a commencé à s'intéresser à ça. Et je vous rapporte une étude qui n'a pas été faite par moi, mais qui m'a vraiment intéressée là-dedans. Ils ont pris des gens qui avaient des préconceptions négatives de stress versus des gens qui avaient des préconceptions positives de stress. Et ils ont mesuré leurs hormones de stress, tout simplement. Et ils ont montré que les gens qui avaient des préconceptions de stress avaient des hormones de stress très élevées. Tandis que les gens qui avaient des préconceptions positives n'avaient pas beaucoup d'hormones de stress. Une préconception, ça se modifie. C'est pour ça que ça m'intéresse. On peut la modifier. Comment? En vous donnant d'autres sortes d'informations. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont présenté aux gens qui avaient des préconceptions négatives de stress des vidéos pendant une semaine de temps sur tous les effets positifs du stress, des vraies vidéos, des vraies données. Et à l'inverse, les gens qui avaient des préconceptions positives de stress, ils leur ont montré des vidéos sur les effets potentiellement négatifs du stress. Et ce faisant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont montré que quand vous faites ça, ceux qui ont des préconceptions négatives de stress, si vous leur montrez des vidéos sur les effets positifs du stress, pendant une semaine, vous diminuez leurs hormones de stress. À l'inverse, ceux qui avaient des préconceptions positives du stress, lorsque vous leur montrez des vidéos pendant une semaine sur les effets négatifs du stress, vous allez augmenter leurs hormones de stress. Je trouve ça fascinant, parce qu'on va parler de la communication, on va parler des médias sociaux. On sait maintenant que sur les médias sociaux, on peut faire de la contagion émotionnelle. Moi, je vais faire de la contagion émotionnelle sur tous les effets positifs du stress, parce que si juste ça, ça peut faire diminuer les hormones de stress, c'est merveilleux, parce que ça ne coûte pas cher et ça a de beaux effets. Alors, est-ce que le stress est notre meilleur ennemi? Oui, j'ai terminé. Donc, ce que vous voulez, c'est interpréter la situation. Si vous vous dites « le stress, ceci est un challenge », vous allez vous trouver ici. Si pour la même situation, vous vous dites « ceci est un stress », vous allez vous retrouver ici. Et donc, selon ce que vous allez dire de la situation qui est devant vous, vous allez avoir induit ou pas cette réponse biologique de stress. Alors, pour la question « le stress, notre meilleur ennemi », moi, je vous changerai ça en vous disant « le stress, l'ennemi intérieur ». Merci. On va avoir maintenant devant nous Lourdes Rodriguez del Barrio, qui est, on l'a dit, professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Elle enseigne l'épistémologie des sciences humaines appliquées. Donc, sa conférence s'appelle « Le stress, le dialogue entre les sciences pour penser les défis, dérives et limites dans les sociétés contemporaines ». Madame del Barrio, c'est à vous. Alors, nous comprenons tous intuitivement le sens du mot « stress », mais il porte des significations multiples. Le croissement de la biologie et de la psychologie produit une nouvelle transformation dans la signification du mot « stress ». L'environnement externe ne suffit pas à expliquer les processus et la chaîne de causalité qui conduirait, sans autre médiation, des événements hostiles, des dangers ou des défis aux réactions biologiques qui transforme nos comportements. La psychologie développe de nouvelles questions et expérimentations et constate à quel point l'interprétation que le sujet fait de la situation, ses capacités pour agir sur soi, peut réduire la réaction organique ou la transformer en la faisant jouer à sa faveur. On développe alors des techniques cognitives qui élargissent notre capacité d'agir sur les situations. Je ne vais pas revenir sur les ciné,
Vous voyez bien que je l'ai repris ici, parce que ça me semble vraiment quatre caractéristiques extrêmement éclairantes, non pas seulement pour comprendre ce qu'on fait quand on est devant et cet espace qui a ouvert la psychologie, pour nous apprendre à travailler sur nous-mêmes, sur nos perceptions, à élargir notre compréhension d'une situation, à accepter ou augmenter notre capacité de la contrôler, ou à la réinterpréter pour qu'elle devienne moins menaçante, à réévaluer l'ampleur de la menace, trouver une façon d'y faire face ou de fuir. Ce n'est pas seulement ça que cela nous permet, la psychologie. La recherche sociale ouvre une nouvelle étape. Et en considérant les facteurs sociaux, la science du stress n'a pas terminé d'enrichir nos représentations du monde et de questionner nos manières de vivre. Les liens entre les découvertes des mécanismes biochimiques et psychologiques s'étendent maintenant pour introduire des comparaisons entre les groupes sociaux. Nous avons alors besoin de définir ces groupes et de contraster les effets des diverses situations stressantes. On compare les hommes et les femmes, les adolescents et les personnes âgées. Les personnes, c'est leur position sociale, ça c'est extrêmement intéressant, et leur accès au pouvoir des décisions dans les institutions. À quoi servent les institutions sociales? Les sociétés créent des dispositifs qui génèrent des règles, distribuent des rôles, des fonctions, des identités. Ces dispositifs créent les espaces où nous nous rencontrons. Mais aujourd'hui, nous sommes en tension. Il y a des dérives de nos institutions contemporaines. Certains sociologues parlent de pathologie sociale. Moi, je n'aime pas tellement les termes, mais quand même, il est parlant, il nous dit quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des tendances sociales contradictoires, continuellement face au paradoxe. Ces effets s'accentuent dans la vie des personnes en situation de vulnérabilité. Notre société impose la liberté. C'est paradoxal, ça. Impose la liberté, le devoir d'être soi-même, de chercher en soi les réponses, l'essence. Certains sociologues parlent alors de l'abîme de la liberté qui est proposée dans nos sociétés, ou de la dépression comme l'expression individuelle de l'excès, de cette façon d'être en société, la fatigue d'être soi. Les livres très connus d'Ehrenberg. Un autre visage du même phénomène est l'individuation à l'extrême des interventions sociales, la responsabilisation, les sentiments qu'on est responsable complètement, absolument, de façon autonome et indépendante, non pas l'interdépendance, mais on est responsable de notre destin. À la limite, la solitude et l'isolement constituent des risques de notre époque. Pour penser les alternatives, certaines proposent de penser la liberté sociale, agir sans contrainte pour les autres et d'orienter les fonctionnements de nos institutions pour assurer l'élargissement de la capacité d'agir du plus grand nombre, enrichir nos représentations de la liberté aussi et les soutiens effectifs, ces représentations de la liberté qui se nourrissent des représentations d'autres cultures. La liberté n'est pas une invention de l'Occident. Les soutiens effectifs de la liberté qui doit être fondée sur des ressources économiques, sociales, culturelles. Nous assistons aussi sur le plan des discours à la reconnaissance des droits civils, économiques, sociaux, culturels. C'est des grands progrès dans notre société. Il n'y a pas si longtemps au Québec, le destin des personnes qui vivaient des problèmes en santé mentale, c'était la psychiatrisation à vie. C'était aussi le destin des personnes qui vivent des problèmes, qui vivent en situation d'handicap. Ces personnes ont pris la parole et revendiquent aujourd'hui rien pour nous sans nous. Devenir des sujets actifs dans la définition des règles sociales, dans la construction des institutions, c'est un espace essentiel qui a été créé grâce à de nouvelles institutions plus démocratiques qui s'enrichissent de leur participation. Finalement, les institutions aussi, on reconnaît aujourd'hui et on valorise la diversité. On encourage la participation des citoyennes et des personnes exclues, la richesse des références symboliques, la mobilisation des ressources socioculturelles qui permettent de nourrir l'imaginaire, de transformer notre façon de vivre ensemble. Et en même temps, on peut avoir l'impression que s'orienter dans le monde d'aujourd'hui, c'est difficile. Nous risquons de le voir davantage comme un monde fragmenté. Nous assistons donc finalement à des processus d'uniformisation des milieux de travail, des milieux de vie. Ça se voit particulièrement dans l'utilisation aujourd'hui
de la notion de maladie. La souffrance sociale doit se transformer en maladie pour être reconnue et faire l'objet du soutien par les services publics. Les services publics et les soutiens psychosociaux sont de moins en moins accessibles. Par contre, l'usage élargi de la médication psychotrope, de la pharmacologie psychiatrique, tend à remplacer les interventions psychosociales. Pour conclure, les nouvelles orientations politiques transforment nos institutions. Dans ces temps marqués par la culture de l'innovation, les institutions ne deviennent pas une source de prévisibilité. Elles contribuent à l'imprévisible, au sentiment parfois de perte de contrôle et de menaces pour l'ego. Ils sont parfois aussi source de mépris à la place de la reconnaissance. Notre immense capacité d'agir sur le plan social est accompagnée paradoxalement d'un sentiment d'impuissance et d'une méfiance face aux institutions démocratiques. Nous avons par contre les moyens, nous connaissons les déterminants sociaux de la santé, nous savons que le dialogue entre les pratiques psychosociales et médicales a ouvert la possibilité d'une vie de qualité dans la communauté. Nous avons aussi une beaucoup plus grande capacité d'accueillir les différentes manières de comprendre et de nommer la souffrance. Les sciences sont aujourd'hui confrontées à ces tendances contradictoires. La science comme institution sociale doit aussi devenir plus consciente des transformations dans ses manières de faire et le rôle social qu'elle joue. Nous pouvons aujourd'hui imaginer les conditions pour élargir ces dialogues entre les sciences et la santé, les sciences sociales, les sciences sociales, un dialogue où chaque discipline garde son intégrité, ses méthodes, ses manières de produire les connaissances, reconnaît ses limites et contribue sans les remplacer ni se laisser instrumentaliser à un débat public élargi. Un débat public élargi où non pas seulement ces institutions ne permettent pas seulement de stimuler les plus forts, les plus éduqués, les plus souples et leur manière d'aborder les défis, mais en tenant compte des personnes en situation de vulnérabilité, je crois qu'on gagnerait tous à réfléchir à cette question-là à partir de ce point de vue. Les personnes en situation de vulnérabilité qui sommes vous et moi à un moment donné de notre vie. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup. Le troisième conférencier s'appelle Thierry Bardini. Thierry Bardini est professeur, on l'a dit, et directeur du département de communication à l'Université de Montréal. Monsieur Bardini, à vous la parole. Merci beaucoup. Je peux tout de suite vous annoncer une chose pour commencer. C'est plus compliqué que ça en a l'air, cette histoire de stress numérique. Alors, quand c'est compliqué, mon réflexe de chercheur, c'est de trier, ordonner, bref, de simplifier à l'aide d'un modèle. Ce modèle, je l'ai trouvé dans les travaux de deux psychologues, Richard Lazarus et Susan Folkman, dont la théorie de l'évaluation cognitive du stress présente un avantage à mes yeux. Elle définit le stress comme une relation. C'est une théorie processuelle ou transactionnelle qui considère le stress comme la résultante d'interactions. Et comme le dirait mon éminent collègue François Couraine au département de communication, la communication, ça commence par les interactions. Alors pour Lazarus et Folkman, le stress résulte d'une relation entre une personne et son environnement, telle que la personne se sente débordée par la situation que lui présente son environnement, et que son évaluation de cette situation l'a conduite à penser qu'elle ne peut pas y faire face, bref, que ses ressources ne lui permettent pas de s'y adapter. Alors, sur la base de ce modèle, le stress numérique pourrait résulter de l'apparition d'une boucle de plus dans le schéma précédent. Ce serait la boucle d'une médiation numérique, l'ajout d'un milieu supplémentaire entre la personne et son environnement, l'ajout du numérique pour médier l'analogique. Ma question, elle deviendrait alors, est-ce que cette boucle supplémentaire, elle accroît le stress au point même de risquer de l'élever au carré ? C'est le stress au carré du bas. Alors, je vais prendre un exemple. Est-ce que ce stress, il pourrait même être élevé à la puissance N, dans une sorte de gigantesque amplification ? Alors ici, c'est l'exemple fictif d'une chaîne de regazouillage, comme on dit en français. J'imagine une personne à l'envers, hein, c'est le P à l'envers, tout au bout là-bas. Disons par exemple le président d'une grande nation. Ben, pourquoi pas ?
qui gazouillerait quelque chose. Disons n'importe quoi, toujours par exemple. Est-ce que la chaîne des gens qui reproduisent ces paroles, parfois jusqu'à l'infini, hein, on dirait, dans ce qu'on nomme un phénomène viral, j'étudie ça aussi en ce moment, la viralité sur les médias. Donc, est-ce que cette chaîne, elle pourrait élever le niveau de stress d'un récepteur, une autre personne P, ici, à l'endroit, en haut, jusqu'à la puissance N, dans ce qu'on pourrait appeler un hyperstress. Alors, c'est en pensant à cette situation fictive que j'ai enfin réalisé que la boucle du schéma de Lazarus et Folkman, eh ben, c'est justement une boucle. Une boucle comme la cybernétique les aime, et qu'elle appelle une boucle de rétroaction, ou feedback en anglais. Alors je me suis dit que la boucle que j'ai rajoutée, la boucle de la médiation numérique, était peut-être analogue par sa fonction à celle d'un thermostat, d'où l'invention sublime pour ce soir, du stressostat. En quelque sorte, une médiation qui pourrait certes amplifier, hein, dans un feedback positif, mais aussi, pourquoi pas, atténuer le stress en le médiant ou en le remédiant. Ça me semble d'ailleurs dans la perspective de ce que Hans Selye appelait le bon stress. Alors pour la suite de cet exposé, je vous propose d'envisager quelques situations contemporaines à la lumière de cette hypothèse. Il faut commencer par dire que les exemples d'amplification, hein, de stressostat positif, abondent dans la littérature. Au point même d'y voir une condition de notre époque, la compulsion, voire même l'addiction numérique. Alors ici, elle est décrite avec des statistiques américaines, vous m'en excuserez, je l'espère, je n'ai pas trouvé de chiffres aussi récents pour le Québec ou le Canada. Enfin, je doute qu'ils diffèrent beaucoup. Imaginez donc, à la lumière de ces chiffres, 35% minimum de compulsifs, connectés même la fin de semaine, et débordés par des masses d'informations, au point qu'on les décrit aussi assez souvent comme des infobèses, c'est un très joli mot, une double condition de masse. Alors une condition qui donne lieu à une sorte de syndrome que les Américains désignent par ses initiales, FOMO, pour Fear of Missing Out, que je traduis en français par la peur de rater le coche, ou plutôt, pour être plus d'époque, la peur de rater le clic ou le like, bien souvent. Notez cependant que cette condition actuelle n'est peut-être que la traduction contemporaine d'un syndrome plus ancien, comme en témoigne ici cet extrait des Précieuses Ridicules de Molière. Je vous laisse peut-être 3 secondes pour le lire. Ok, c'est fait. Ici, cependant, la médiation numérique du stressostat peut être positive ou négative, puisqu'on a aussi inventé son inverse, que les Américains appellent JOMO, pour Joy of Missing Out. Et je vous conseille régulièrement de vous offrir un moment de JOMO. Bon, finalement, derrière le fonctionnement du stressostat, je vais vraiment avoir du mal à le dire, se cache bien une nouvelle classe d'entités dont l'importance croît tous les jours dans nos vies. Les algorithmes qui font tourner en boucle la médiation numérique. Or, il faut bien reconnaître que pour la plupart d'entre nous, ces entités sont complètement opaques et incompréhensibles, ce qui amplifie encore le stress, parfois jusqu'à la panique ou au délire paranoïaque. Alors, après ces petites vignettes témoignant de la complexité des formes et des effets du stress, et je ne fais que l'effleurer, hein, c'est juste la surface du stress numérique, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bon, de toute évidence, ça existe, le stress numérique, mais avec des effets très variables, selon le sexe, l'âge, la situation, et ainsi de suite. J'insiste encore une fois sur l'ambivalence de ces phénomènes. Si tout le monde se préoccupe, c'est à des niveaux variables. On le voit ici avec les générations, par exemple. Mais j'insiste sur les 2 petits schémas en dessous. Qui est-ce qui peut dire qu'il n'est seulement négatif, ce sentiment d'attachement à nos prothèses informationnelles, à nos cellulaires ou à nos tablettes. De même, cette aide qui aide à construire notre identité, qui pourrait seulement la déplorer ? Peut-être qu'après tout, l'ordinateur et ses dérivés en réseau ne font que favoriser l'émergence d'une auto-identification par moyens technologiques. À moins peut-être que vous préfériez continuer à vous identifier par votre char ou votre automobile. L'ordinateur, c'est un fait, est passé de l'état d'outil, de calculateur, à celui de médium lorsqu'on a commencé à les mettre en réseau, quelque part vers 1968.
Selon mon collègue Peter Lunenfeld, à qui j'emprunte ici cette icône, il devrait alors être conçu comme le cœur ou le moteur de ces dispositifs d'amélioration de la solitude qui meublent maintenant nos vies. Les Grecs, qui ont commencé à nous apprendre la philosophie il y a déjà un bon petit bout de temps, auraient probablement qualifié le stratostate de nouveau pharmacon, à la fois poison et remède. Notez au passage qu'un des plus illustres d'entre eux, les Grecs, disait déjà de l'écriture pour mieux la condamner dans le fameux dialogue qui s'appelle Phèdre. Et si les fameux algorithmes n'étaient que le dernier avatar en date de nos jeux d'écriture ? Non, en fait, la question serait plutôt, peut-on espérer garder le contrôle du stratostate ? Peut-on, pouvez-vous, pouvons-nous, imaginer se servir de ces dispositifs pour atténuer et ou amplifier le stress à notre guise, pour le calmer quand il sied et l'accélérer quand il peut nous servir de moteur ? Ça, c'est une autre question. C'est une question politique, mais c'est aussi et surtout une question d'éducation. Et nous sommes là pour ça, non ? Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci beaucoup, Monsieur Bardini. On passe maintenant pendant on va avoir une vingtaine de minutes maintenant pour discuter entre nous. Et j'aurais envie de tout de suite de demander une réaction à cette présentation sur un phénomène très 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 actuel, hein, la dépendance ou la cyberdépendance, la dépendance aux réseaux sociaux. Sonia Lupien, vous cette idée là, d'une dépendance qu'on pourrait contrôler, pas contrôler, qui nous isolerait, etc. Comment vous réagissez à ça, vous? Quand vous parlez de stress, les deux seuls mots qui me viennent à l'esprit, c'est la différence entre l'ampleur et la nature. Ce que je veux dire par là, puis on fait toujours cette erreur-là en science, je trouve, c'est que à chaque fois qu'on commence à étudier quelque chose de nouveau, la majorité des chercheurs, vous allez voir, vont regarder l'effet de l'ampleur de quelque chose. Donc, plus on utilise Facebook, plus on est stressé. Moins on utilise Facebook, moins on est stressé. Donc, l'ampleur, amplitude en anglais. Et c'est beaucoup trop simpliste, là, dans le sens où là, on en est là parce que ça vient de commencer. Et nous, on a commencé à dire, OK, attends une minute, la nature, ça va commencer à être important. Je vous donne un exemple, et je donnais l'exemple à une copine tantôt. Un jour, quelqu'un vient chez moi et mon fils utilise son iPad. Et ça fait 2 heures qu'il est sur son iPad. Et là, ma copine me dit, mais là, franchement, tu devrais avoir honte. Laisser ton fils comme ça, utiliser l'iPad, les jeux vidéo, etc., pendant 2 heures de temps. Pourquoi fais-tu cela? Bien, je dis, parce qu'il lit un livre. Alors, si mon fils, il y a un stigma, vous savez, si mon fils avait été assis avec un livre, la personne aurait dit, mon Dieu, qu'il est intéressant, qu'il cet enfant. Il est formidable, ce garçon. Il lit un livre, c'est tout. Comme sa mère. Mais voilà, voilà. Et donc, il lisait un livre. Donc, une espèce de souvent, on va voir quelqu'un avec son téléphone, il cherche son chemin. Il n'est pas en train de texter, il cherche son chemin. Et donc, on a commencé à s'intéresser à la nature des comportements sur Facebook. Je vous donne un exemple rapidement. On a fait une étude chez les hormones, on a mesuré les hormones de stress chez des adolescents de 12 à 17 ans qui utilisent Facebook parce qu'il y en a encore. Qui utilisent Facebook, même s'ils disent qu'ils ne le font pas. Et on a séparé les comportements de Facebook, donc la nature. Le premier, c'est les interactions sociales, le nombre d'amis Facebook. Hein? Plus on a d'amis, est-ce qu'on est plus stressé? Ensuite, il y a deux types de comportements qu'on va séparer. Vous allez voir, sur Facebook, il y a ce que j'appelle les espions. Et il y a les exposés. Les exposés, ils vont aimer toutes les pages, puis ils vont toujours être là. Et donc, ils vont faire de ce qu'on appelle « self-presentation behavior » en anglais. Ils vont sauter des comportements. Et ce qu'ils vont aller chercher avec ça, c'est ce qu'on appelle de l'empathie virtuelle. Moi, si je change ma photo demain matin, là, je vais avoir plein de likes. Là, puis là, t'es belle, t'es belle, t'es belle. Ça me fait du bien. Donc, c'est des gens qui vont utiliser cette présentation-là pour aller chercher de l'empathie. Et ensuite, les autres qui vont donner, parce que le soutien social est bon sur le stress. On peut en demander du soutien social ou en donner. Et en général, quand on en donne, c'est plus payant que quand on en demande. Et donc, vous avez ces gens-là qui ne mettront pas de photos, rien, mais qui vont toujours aimer votre page. Puis c'est eux qui vont laisser des commentaires. Alors, on a mesuré tout ça chez des jeunes et on a montré qu'en fait, ce n'est pas tout ça qui va être stressant. La seule chose qui a été associée chez les jeunes, autant garçons que filles, par rapport aux hormones de stress, c'est le réseau, l'ampleur du réseau virtuel. C'est-à-dire, plus il y avait d'amis, plus en haut de 300 amis, plus il allait produire d'hormones de stress. Ce n'est même pas le temps d'utilisation. Ce n'était même pas ça, c'était le nombre d'amis. Pourquoi? Parce que quand tu as 2000 amis, tu as un gros auditoire. Ta menace à l'ego est assez c'est difficile. Et je me suis donc assise avec ma fille et j'ai dit, Jade, tu as combien d'amis sur Facebook? Elle dit 2164. J'ai dit, bien, c'est beaucoup. Et j'ai dit, si demain matin, on enlève Facebook, il y a eu un gros problème, il n'y a plus de Facebook, il faut recommencer à zéro. Combien d'amis aurais-tu? Elle a dit 35.
Mais j'ai dit, pourquoi tu en as 2000? Elle dit, parce que quand ça a commencé, c'était à la mode d'en avoir 2000, puis j'ai pas du tout le courage d'en éliminer 1900 quelque chose. Et donc, à chaque fois que vous changez votre photo, vous avez un moyen gros auditoire, et c'est ça qui pourrait stresser. Donc, je veux juste cette différence entre l'ampleur de quelque chose et la nature. Quand on commence à aller un petit peu plus loin, on commence à comprendre que certaines choses n'ont pas d'impact ou ont des impacts positifs, tandis que d'autres peuvent avoir des impacts négatifs. Et donc, sur le stress. Sur le stress, oui. Des ados, là. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Il n'y aura pas de débat ici. Là. Non, c'est tout. Mais attendez. Désolé. On s'aime. Il n'y aura pas de duel. En tout cas, pas sur cette question-là. Nature, c'est un mot que je trouve très, très difficile. Ce que j'entends surtout dans ce que vous dites, c'est aussi une différence entre le quantitatif et le qualitatif, voilà. D'une certaine manière. Dans le quantitatif, il y a des nombres. Le public, c'est vrai que plus vous êtes nombreux, plus vous êtes dans le noir, on a un peu moins peur. Mais plus vous êtes nombreux, plus on a peur. Après, il y a la fréquence. C'est aussi une question quantitative. Qualitatif, c'est très difficile à évaluer dans le détail parce que les comportements sont bien plus compliqués qu'ils en ont l'air. Les gens trichent, c'est un scoop pour vous ce soir, mais les gens trichent sur les réseaux sociaux, ils disent ce qu'ils ne font pas et ils ne font pas ce qu'ils disent assez régulièrement, et les adolescents en particulier. J'ai une collègue qui s'appelle Dana Boyd qui a écrit un très beau livre là-dessus qui s'appelle « It's more complicated than that », c'est plus compliqué que ce qu'on en pense. Mm-hmm. Donc les gens trichent, ils ne font pas exactement ce qu'on pense, et la nature de ce qu'ils font, ils ne veulent pas toujours en parler non plus. Donc, ça pose des problèmes. En plus, le dispositif, il change tout le temps. Enfin, il change en fonction de ces choses-là. Facebook, par exemple, comprend ces choses, comprend les différences entre les lurkers et les autres, les incite. Bon. Donc, on est au tout début, vous avez raison. Tout ça, c'est des... On dit encore nouveaux médias, on se demande combien de temps ils vont rester nouveaux. Il y a un truc qui est à peu près clair, leur grammaire, elle n'est pas complètement établie. La grammaire, même de l'écrit, de l'imprimé, même de la photographie, du cinéma, on commence à la connaître. Celle-ci, elle est encore adolescente et on a un peu du mal à la suivre. On a besoin de plus d'études, mais en même temps, ce n'est pas sûr qu'avec plus d'études, on aura plus de réponses, puisque le dispositif accélère dans son changement et les usages aussi. Madame Del Barrio, quand on entend ça, on voit que ces réseaux sociaux sont omniprésents. Et j'imagine que quand on regarde ça au niveau social, comme vous le faites, vous voyez probablement des impacts sur le stress des gens de ces réseaux-là, de leur utilisation, de la façon dont les jeunes l'utilisent, les moins jeunes, etc. Comment vous voyez ça, vous, avec votre lunette à vous? Je pense que la première chose, peut-être, c'est de constater à quel point on est devant une transformation culturelle que je crois est majeure. Oui. Puis elle est majeure à tous les niveaux, et il faut sortir des dichotomies, même si quand on présente puis on essaye d'identifier les tensions, les paradoxes, on a toujours l'impression qu'on est renfermé entre les positifs et les négatifs. Ce n'est pas du tout de cet ordre-là. Je pense qu'il faut qu'on développe un nouveau vocabulaire, et pour développer le nouveau vocabulaire, pour comprendre les utilisations, autant des jeunes que de nos générations, il faut entrer en dialogue avec les gens et comprendre beaucoup plus d'un point de vue qualitatif. Quelle est l'essence qu'on trouve? Quelles sont les pratiques? Observer comment est-ce qu'on est en train de les utiliser. Je pense qu'il y a dans l'utilisation de ces médias énormément de créativité, des choses auxquelles on ne s'attendait vraiment pas qu'ils puissent surgir, et aussi beaucoup de solitude. C'est vrai que les jeunes vivent parfois déjà la paralysie du corps, le fait qu'on est figé sur un écran. Il y a une forme de passivité, puis en même temps, une forme d'activité extrême à l'intérieur, dans tous les rapports avec ces médias. Je vais aussi souligner, pour terminer, une deuxième chose. C'est prendre conscience des inégalités d'accès et des inégalités dans l'utilisation des médias. Et en même temps, à nouveau, c'est extrêmement paradoxal, puisque les médias nous donnent accès à être en lien directement à des espaces, à des grandes distances, avec des personnes de cultures extrêmement différentes, avec des personnes qui, avant, on ne pourrait même pas imaginer qui pouvaient se mobiliser de façon si rapide et mobiliser les gens autour d'eux. Et en même temps, cela, peut-être, nous oblige à être beaucoup plus attentifs par rapport à la marge de la marge de la marge, c'est-à-dire des lieux
où ces technologies n'arrivent pas toujours, n'arrivent pas encore, et que font en sorte qu'il y a des gens qui sont extrêmement invisibles, puisque notre regard est porté vers cette technologie dominante et ce qui réussit à se rendre visible là. En plus de notre enjeu extrêmement important, c'est qu'est-ce qui en rend visible, c'est quoi les paramètres, l'esthétique, les rapports avec ces langages, avec ces grammaires qui sont en train de se développer, et que tout le monde ne la possède pas au même niveau, et que tout le monde n'a pas accès au pouvoir de contrôler la manière comme il va être rendu visible dans cet espace-là. Par exemple, cette question de la compassion est extrêmement importante. Comment est-ce qu'on rend visible les victimes, les personnes en situation de marge, et à quel point ces personnes réussissent ou pas à s'approprier de ces outils-là pour apparaître dans la scène publique différemment? Alors, je vais revenir un peu sur le stress et la gestion du stress avec vous, Sonia, parce que vous avez dit... Le type de stress qu'on va ressentir, le niveau de stress, etc., dépend un peu de la conception qu'on se fait du stress. Donc, on est capable, individuellement, de changer notre réponse au stress. C'est ce que vous dites, je crois. Mais est-ce que cette réponse-là, elle n'est pas physiologiquement déterminée? C'est-à-dire que vous, peut-être que vous faites plus de cortisol que votre voisine ou que moi, et ça ne se change pas, la physiologie. Donc, vous croyez qu'on peut changer, qu'on peut influencer notre façon de voir les événements, les événements de la vie, et les regarder de façon différente, simplement parce qu'on le veut, parce qu'on le décide? J'en suis persuadée. Oui. Et parce qu'on mais est c'est en 2000... physiologique. Parce qu'on est en 2017. Ce que je veux dire, c'est, je vous ai dit, il y a une différence entre un stress absolu et un stress relatif. Un stress absolu, c'est une menace réelle pour tout le monde. Quelqu'un rentre ici, crie au feu, on va tous se mettre à courir, on est dans une zone de guerre. Non, vous ne serez jamais capable. Donc, le cerveau est une machine absolument fabuleuse pour négocier un stress absolu. Vous n'aurez aucun contrôle là-dessus et c'est merveilleux que vous n'ayez pas aucun contrôle. Aujourd'hui, en 2017, il n'y a plus beaucoup de ces stress absolus et pourtant, on n'a jamais autant souffert parce que le cerveau maintenant fait face à des stress relatifs, c'est-à-dire des stresseurs qui vont être induits, des réponses biologiques de stress qui vont être induites par ces quatre caractéristiques-là. Et donc, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que souvent, je vous donne un exemple. Si vous passez votre vie à vivre dans le futur et à voir toutes les choses qui pourraient mal aller, bien souvent, comme je dis souvent, je ne sais pas d'où vient cette idée que le stress est une grosse bête poilue qui vous attaque de l'extérieur. C'est faux. Croyez-moi, restez chez vous et ruminez assez longtemps sur tout ce qui pourrait aller mal, vous allez vous produire assez d'hormones de stress pour vous faire du tort tout seul. Pourquoi? Parce que à chaque jour, vous envoyez le message à votre cerveau qu'il y a une menace. Elle n'a pas besoin d'être réelle. Quand le cerveau reçoit le message qu'il y a une menace, vrai ou imaginé, il va partir la machine et il va produire des hormones de stress. D'où l'importance de comprendre que puisqu'on est dans un monde de stresseurs relatifs, on a beaucoup plus de contrôle sur notre stress relatif qu'on le croit. Et la façon dont on apprend, par exemple, aux enfants, aux jeunes, aux adultes, c'est de déconstruire une situation dans ces quatre caractéristiques de stress. Je vous donne un exemple. Quelque chose vous stresse. Le trois quarts des gens ne savent même pas pourquoi ils sont stressés. Si vous ne savez pas, il est où le mammouth, ça va être assez dur de le tuer. Et donc, l'idée, c'est de vous demander pourquoi cette situation-là me stresse. Sarah me stresse, pourquoi? Est-ce qu'elle est nouvelle? Non. Est-ce qu'elle est imprévisible? Non. Est-ce qu'elle menace mon ego? Oui. Est-ce qu'elle m'enlève du contrôle? Oui. Vous en avez 2 sur 4 d'éliminés. Un problème bien défini est déjà à moitié résolu. Une fois que vous avez déconstruit le stress, vous allez le reconstruire. Restez pas là. Ça, c'est l'équivalent d'être devant un mammouth, pas de lance. Ça va pas très bien. Vous allez avec une lance, ça va être plus facile. Vous allez reconstruire le stress. Donc, comme je dis toujours, le mot inverse de stress n'est pas la relaxation. Ce n'est pas parce que vous allez dans un spa ce week-end que la poffine de la machine à café est partie, elle est encore là, là. Et donc, le mot inverse de stress, c'est la résilience. Et la résilience, c'est la capacité d'avoir un plan B, C, D. Donc, Sarah me stresse parce qu'elle menace mon ego. On va y aller. Comment puis-je faire pour qu'elle menace moins mon ego? Plan B, je lui demande de quitter. Ah, ça ne marchera pas. OK, j'en prends plan C, plan D. Ce que vous devez savoir, tout est là. 85 % des gens ne mettront jamais en action le plan B. C'est pas grave. On a montré que le seul fait d'avoir un plan B, quand vous avez votre stresseur, vous ramenez à la conscience le plan B, ça dit à votre cerveau que vous avez le contrôle et il va arrêter de produire des hormones de stress. Et c'est tout ce que vous voulez pour l'instant. Et donc, on ne réglera pas tous les problèmes de l'humanité comme ça, mais la journée où on comprend cette notion de stress relatif et l'impact qu'on peut avoir dessus,
c'est beaucoup plus payant de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Oui, c'est sûr. Mais alors, socialement, quand on est... Parce que ça, bon, c'est bien beau de dire « je suis capable de regarder » et puis de penser, de déconstruire mon stress, mais quand on regarde les ce qu'on appelle souvent les déterminants sociaux de la santé, les pauvres, ils sont en moins bonne santé que les riches. Ceux qui n'ont pas de contrôle, il y a des études, les études sur les fonctionnaires britanniques extraordinaires qui montrent que le patron fumeur a moins de cancer du poumon que l'employé, le subalterne non-fumeur. C'est quand même extraordinaire. Ouais. Donc, on a des impacts sociaux sur lesquels on n'a pas de contrôle quand même, non? Absolument. Et c'est peut-être... c'est toujours une question des limites, hein? C'est toujours une question des nuances. Et effectivement, par exemple, dans les techniques d'intervention sociale ou dans les approches d'intervention sociale, on a passé des années à développer des approches qu'on appelle sur l'appropriation du pouvoir, sur l'élargissement de la capacité d'agir. C'est exactement, je crois, d'augmenter les contrôles, de réduire l'incertitude, etc. Et donc, on mettait beaucoup l'accent sur la qualité de vie subjective, par exemple. Mais tout est une question il faut considérer comment les institutions sociales et les contextes sociaux changent. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est cette question la plus pertinente? Ou on doit se poser aussi la question de comment les espaces de vie et les milieux de vie qu'on est en train de produire mettent les personnes, certaines personnes et certains groupes, dans des situations insoutenables, dans des situations où ils ne peuvent plus, cette capacité de réinterprétation, à un moment donné, n'a pas des effets nécessairement positifs sur leur vie, parce qu'on est en train de limiter l'accès à ce qui est... Il y a un sociologue, Robert Castel, qui parle, il dit « Nos sociétés, c'est des sociétés des individus, d'individuation, de singularisation. » Donc, on provoque notre créativité et notre idéal, c'est de devenir de plus en plus singulier, de proposer quelque chose de nouveau et de différent. Mais en même temps, si les soutiens que les individus ont à leur individuation n'existent pas, les ressources économiques, les ressources culturelles, socioculturelles, cette capacité de création, à ce moment-là, on est en train de créer une forme de dissonance cognitive par rapport à certains groupes sociaux qui peut avoir l'effet, je dirais, d'une forme de stress absolu, dans le sens que c'est une véritable menace à la intégrité personnelle. Monsieur Bardini, là-dessus. Je pensais au ciné de Sonia dans le domaine qui m'intéresse. Et je suis absolument convaincu que le plus important, c'est le dernier. C'est la menace à l'ego dans ce cadre-là. Oui. Ces médias sont faits pour vous donner l'impression que justement, vous avez du contrôle. On les appelle interactifs pour ça. Sur Facebook, quelqu'un qui vous ennuie, vous pouvez le bâillonner. Vous restez ami avec cette personne, les 2000 en trop amis de ta fille, tu peux lui dire, il n'y a pas de problème. Tu ne les entends pas, si tu veux. Tu n'as pas besoin de ne plus être ami avec eux. Tu les bâillonnes, c'est tranquille. Donc, contrôle pour toi. Mais ce que les gens vivent très difficilement, c'est les atteintes à leur ego. Alors là, il y a des solutions. La première, qui a été très expérimentée par beaucoup de gens, c'est de multiplier les égos. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir 5 avatars sur Facebook? Ça rend les choses beaucoup moins personnelles. Vous pouvez jouer à être autre chose. Ne prenez pas les choses personnelles. On le dit ça souvent aux gens. Voilà un jouet pour le faire. Amusez-vous à avoir d'autres idées que les vôtres. Pensez à le contraire de ce que vous pensez le reste du temps. Ça relaxe aussi un petit peu, ça relaxe l'ego, probablement. Cela dit, le jeu institutionnel, les riches en information, les pauvres en information, le « digital divide », on dit en anglais, il existe encore, bien évidemment. Il existe pour des raisons géographiques, pour des raisons économiques, pour des raisons politiques. Est-ce que ces institutions sont en train de recréer d'autres formes d'aliénation, d'oppression, et ainsi de suite? Est-ce qu'on va pouvoir dire que Facebook, c'est une nouvelle institution contemporaine, bien sûr? C'est un peu effrayant, hein, parce que institution, ça va aussi avec discipline assez souvent. Alors, discipline ou contrôle, nous ont dit les philosophes. Alors, oui, ça fait beaucoup de points d'interrogation. Je tripping, parce que oui, mais devant un stresseur, devant une menace, le cerveau a deux choix. Il combat ou il fuit. Et moi, je trouve que les réseaux sociaux, avant de les condamner à tout, je trouve que c'est une merveilleuse arme de combat. Et vous l'avez soulevé tantôt, Lourdes. C'est-à-dire, ne prenons que le MeToo
mouvement. Je veux dire, on est ensemble capable de se mettre tout ensemble pour combattre avec un éclair de bien rapidité sûr. Comme ça. Et ça, moi, ça m'intéresse. Bien c'est-à-dire, oui, c'est négatif, c'est correct, mais je ne suis pas sûre qu'il y a juste ce côté-là négatif parce que c'est dur combattre. C'est dur se ramasser une gang pour combattre. C'est long. Oui. Tandis que là, en réseau social, vous regardez l'impact bien que sûr. Ça a et je pense que ça va devenir quelque chose de très intéressant. Oui. Peut-être pas pour la fuite, c'est vrai, mais pour le combat, c'est une arme assez intéressante. Thierry, je vous donne la parole dans deux secondes, mais vous savez, on arrive presque à la fin de cette discussion. Non, vous continuez. Et le public, préparez-vous, parce que dans quelques minutes, on vous donne la parole. Alors, allez-y, Thierry. C'est pour ça que je parlais de cette ambivalence, en fait. Hein. C'est parce qu'on a plein d'usages fantastiques. Il y a des révolutions, on dit qu'on peut-être pas commencé comme ça, mais qui ont continué comme ça. Il y a des mouvements sociaux fantastiques comme MeToo, etc. Et puis aussi, il y a des usages terribles, il faut bien le dire. Alors, on est pris un peu à balancer cette chose, et c'est pour ça que j'insistais. Alors, je ne voudrais pas insister sur le mode néolibéral. Tout ça, c'est l'individu autonome qui décide à la fin de ce qu'il fait avec ce que j'ai appelé le stratostat. Mais quand même, si vous pouvez vous éduquer aux usages et si vous pouvez y réfléchir, il y a quand même pas mal de contrôle là. Oui, Madame Del Barrio. J'aimerais revenir sur l'exemple que je n'ai pas donné tout à l'heure et qui est dans ton livre, Sonia, que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Une recherche dans laquelle tu as comparé, tu me diras si je le reprends bien, l'effet de stress quand on est dans une structure qui est davantage autoritaire, on pourrait dire, donc construite sur un ordre social, dans lequel un individu contrôle l'environnement de beaucoup de subordonnés. À ce moment-là, c'est lui qui est en haut de la hiérarchie. Il vit très peu de stress et tous les autres, ils sont extrêmement stressés. Mais quand on est dans une institution, justement, l'institution n'est pas seulement contraignante, elle peut provoquer aussi d'autres choses, dans lesquelles ce sont l'individu qui est en haut de la hiérarchie, il est soumis, je dirais, en forme de participation, de démocratie. Donc, l'instabilité provoque un changement complet. Ce sont les personnes qui sont en bas de l'échelle, supposément les subordonnés, qui vivent moins de stress. Et c'est la personne qui est au service, au fond, des autres, qui va vivre beaucoup plus de stress. Je trouve ça comme analogie ou même métaphore des enjeux des sociétés autour de la démocratie, de la participation, etc., extrêmement intéressant. Écoutez, je vous remercie beaucoup tous les trois. Donc, je pense qu'on peut remercier nos trois conférenciers. Sonia Luclin, Lourdes Rogues, Barrio et Thierry Bardini. Et aussi un grand merci aux organisateurs, organisatrices de ces conférences sur la montagne, toujours très intéressantes. Et à une prochaine conférence. Au revoir.